La quête est active quoi. C'est quoi ces missions en fait? Enfin, c'est soit tu fais les missions d'Evie, soit tu fais les missions de. C'est bizarre, je comprends pas tout. Bon, mais on se laisse guider. Hein. Je sais pas si je fais bien de faire les missions de l'un ou de l'autre en premier. Je pense qu'il n'y a pas d'incident ou quoi sur la trame principale. Du moins, je me laisse guider. Vous n'avez pas trouvé de fragments d'Eden, mais ceci est extrêmement précieux. Regardez. Ils disent que les assassins de Londres ont trouvé un suaire. Le suaire d'Eden est censé guérir les plus graves maladies. Si les assassins avaient trouvé ce genre de choses, notre père devait le savoir. Il doit nous manquer quelque chose. Quelque chose que nous seuls pouvons voir. On dirait des indications. Vous ne venez pas? Le travail de terrain n'est pas mon fort. Nous avons un indice sur un objet des précurseurs. Vous ne voulez pas le retrouver? Présenté ainsi, comment puis-je refuser? Bollywood Story. Je sens qu'il va nous draguer lui aussi. Tous les gars du jeu vont nous draguer en fait, c'est ça? C'est hard. C'est tout tranquille, on assassine des gens nous juste. Mariage Creed, prochainement dans les packs. Et voilà. Vous savez, je pense que ce plan a toutes les chances de nous mener au manoir Kenway. Kenway, le pirate? Maître assassin et pirate, en effet. Que savez-vous au sujet du sueur d'Eden? Au rapport du guerrier malade. Les légendes disent qu'il fait revivre les morts, sauf que les documents des assassins le refutent. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y en avait un à Londres. Vous croyez vraiment qu'Edward Kenway a pu en trouver un? Il a beaucoup voyagé, donc c'est possible. Mais si c'est le cas, il en a soigneusement gardé le secret. Mais si c'était vrai, quelle découverte ce serait! En effet, je suis impatient de savoir. Edward Kenway, ça fait quelque chose? Hein? Je trouve étonnant que vous n'ayez jamais fait le manoir Kenway. Le fils d'Edward, Etam, a rejoint. Je crois que nous y sommes. Je le pense aussi. Regardez. Je serai dans le bureau. Ne me dérangez pas, à moins que l'un d'entre vous ne parvienne à remettre la main sur le carnet. Voilà qui complique les choses. Vous comptez quand même entrer? Si c'est un repère des Templiers, cela va être difficile. Ne vous en faites pas, nous n'approcherons pas de Miss Lucy. On y va. Vous pouvez regarder là-bas? Bien entendu. On va s'accrocher comme ça sur la corniche, non? Là, il y a un point d'entrée. Arrêtez cette femme! Je sais pas pourquoi je le sens bien celui-là. Que peut bien
chercher Miss Thorne, finalement. Ne la laisse pas. Attrapez-la. Je vous avais dit, je l'avais bien senti celui-là, tu vois, je suis rentré direct, je fais TB. Et moi, c'est pas Assassin's Creed, gros, c'est Buren Creed ou ce que tu veux, ouais. Genre, je te fais que des combos. Ouais, c'est ça le truc. Ça date de l'époque d'Edward Kenway. Okay, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Yospelo, il est pas là. Putain, j'ai level 2, les biatchs. Si ça continue, je vais lui dire que j'arrête ses roues. En fait, ils veulent qu'on fasse toutes les zones pour qu'on fouille vraiment, quoi. C'est l'objectif optionnel, hein. Mais ça m'intéresse. Ceci appartient aux assassins. Pedro, de deux. Il y a pas mal de trucs, hein. Je crois qu'il y a le bateau aussi en bas. L'autre, il est perdu, hein. C'est mon pote, mais il est perdu, là. Je vois rien du tout ici qui pourrait être... Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être à lui. Pas du tout. Donc là, on a fouillé déjà. Je sais pas si je vais réussir à faire un objectif optionnel. Même si j'essaie de chercher un petit peu tous les trucs. Crochetage level 2, yes. Ah, bateau. Ça a l'air intéressant. Trois sur 7, encore pas mal. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai cru voir un truc briller, mais en fait c'est juste un reflet. C'est ton imagination, mon enfant. Ok, bon, ici, de toute façon, il n'y a rien. Ici, c'est verrouillé, je crois. Et peut-être que je pourrais pas le faire vu que j'ai pas tous les crochetages. Ça serait vraiment la merde hein, s'ils font ça. Dans le droit. Je vais la lose. Ça aussi, ça, Kenway. Je ne peux pas croire qu'ils aient gardé tout ça. 4 temps, je passe à côté des choses en haut aussi. Ça ressemble à un truc de pirate. En plus, ça brille pas. Hein. Il y a des petits trucs, mais. Ah ouais, un artefact des assassins. Vous voyez, j'avais oublié des trucs. Faut vraiment regarder, hein. Genre l'autre il me montre l'objectif comme si j'avais pas vu en vrai, tu vois.
Ok, donc c'est par là où je suis rentré. Non, même pas. Moi, je suis rentré par là, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ben, pour l'instant, on a 5 sur 7. Je sais pas où se trouve le reste, malheureusement. Fait chier, j'ai pas envie de la fail. Ah là, il y a un truc. J'aurais aimé que père voit ça. 6. Et on peut pas l'ouvrir, donc il m'en manque une. Je sais pas si c'est là ou si c'était à cause d'une porte. Putain, je suis deg juste pour une quoi. Sérieux. Que cherchons-nous au juste? Impossible à savoir. Oh là là, j'ai fait la mission quoi. Je suis deg, hein, il a manqué un item. D-A-D-E-F-D. J'ai déjà vu plus discret. Il faut croire que Kenway aimait la mise en scène. En plus, regardez, hein, je vais vous dégoûter encore plus. Je crois que j'ai 2 points. Ah non, ça va. J'allais dire pour mettre dans le crochetage pour justement déverrouiller peut-être les portes. Ah, je vais me dégoûter encore plus. Waouh! Le repère de Kenway? On parle du même Kenway là? Je n'en crois pas, messieurs. Je pense que ça doit venir du Jackdo. C'est chaud, hein. J'admire un peu. Hein. Tout ceci est resté caché pendant un siècle. C'est chaud quand même. Si nous pouvions emporter tout ça. Une histoire des assassins de Londres. Des refuges, des cryptes. Une clé cachée. C'est ça. Vous avez entendu une musique. Mais cette ouverture n'existait pas. Elle se referme. Oui, je le vois. Aidez-moi à la bloquer. Nous devons trouver une autre issue. Le mât. Le mât. Le mât. C'est obligé, un truc avec le mât. Je le savais, c'est obligé. Oh, le gros clin d'œil à Black Flag. GG, j'adore. C'était trop flag. Une crypte entière renfermant l'histoire des assassins. Et nous allons l'abandonner. Nous la reprendrons plus tard, à moins que nous ne trouvions une meilleure cachette. Nous? Je croyais que vous n'aimiez pas le travail de terrain. Je pensais plus à votre frère et vous. Je vous aiderai à tout planifier. Depuis le train. Ah, je suis deg. 6 sur 7, quoi. Deg, deg.
Quelle cible? De quoi tu parles? Donc c'est une zone de catégorie 6, donc il faut que je fasse très attention. Waouh, il est impressionnant. Magnifique la musique. Bien joué la musique, hein. Honnêtement, j'ai même plus parlé tout, j'étais un petit peu bouche bée là du bordel. Ouais, j'ai vu ça, donc je suis allé la faire, hein. Je l'ai fait en 2-2. Je me suis dit pourquoi pas, on va voir si le monsieur peut pas me permettre de racheter un petit peu des... De ravitailler un petit peu, bah je suis full, ok. À la prochaine fois. Alors je me trompe à chaque fois de tout, je suis désolé, j'ai pas l'habitude encore pour le pad. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est level 5, c'est pas notre grade. Level 6, oh là là, la zone est très élevée. Hein. On n'a pas assez fermé hein, pour... C'est quoi cette quête? J'ai pas compris. Coffre verrouillé, d'accord. Ça, c'est quête level 6, moi je suis level 4. Je crois pas que ça soit une zone de mon level, là, je comprends pas. La 5, déplacement rapide, c'est où ça? Pourquoi ma mission là, elle est level 2? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un petit peu perdu au niveau de la carte et tout ça, là je comprends pas trop encore. Donc j'ai l'impression que j'avais fait cette zone. Bug d'Elix, boutique, philanthropie, une cuillère de sirop. Et on peut pas se déplacer rapidement là à cet endroit en fait sans passer par la case départ, nanana. Ah bah oui. Ok, il faut vraiment bien se repérer sur la carte au début, c'est un petit peu chelou. C'est normal. Après, ils nous envoient aux quatre coins de la map. C'est plus comme avant, vous avez tout dans le même secteur, donc là, ils vous font partir un petit peu à droite, à gauche. À moins que c'est moi qui ai changé la carte, vous voyez ce que je veux dire, que j'ai fait une petite rotation de la carte et du coup, je me suis perdu en fait. Par contre, quand je veux, ça c'est relou, hein. Les chargements. Un petit peu relou le bordel. Ok. On va essayer plutôt de faire des trucs de notre level, hein, tranquillement. Voilà, ça c'est level 4, je préfère, merci. On va faire ça du level 4, pour le coup. Ok, c'est à 200 mètres. Ok, repère de bande. Ah, ça peut être cool ça, j'aime bien.
faire ça calmement, qu'est-ce que c'est que ça? T'as toujours été marqué les coffres avant sur les... Je me rappelle plus. C'est cool ça. Je vois qu'il y en a un juste ici aussi. Buenos días. Ok. Pousse-toi. On n'a pas le temps. Ok. C'est la fameuse quête. Ok, la fameuse quête de tout à l'heure. Attendre qu'elle se tourne, madame. Tu es là ! Ouais. Ok. On va repasser de l'autre côté. On va essayer de la faire la Sun Tzu même, tu peux. Hein. Parce que tout à l'heure, je fais que jouer bourrin. On avait déjà trouvé les plans tout à l'heure. Une intruse ! Comment est-elle arrivée ici ? Je préfère attendre qu'il me tape en fait. Même si je rampe le combo, c'est pas grave. Des fois il fait trop mal. Hein. On va brûler tout ça. Une heure de déjà vu, c'est normal. Ok, par contre j'aimerais bien trouver les poteaux. Je vais juste essayer de passer par là. Parce que lui il me fait flipper là, lui avec l'œil là. Pour l'instant on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus, ok. C'est vrai que les bombes fumigènes pourraient être efficaces là à ce moment. Oh! Une minute. C'est quoi ton délire là? Je te siffle, viens! C'est hard! L'autre de la bonfoi l'a attendu, gros! Ah,
Arrête, 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 qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle bug? Ça me tire le pin. Et le pire, c'est qu'on a alerté personne, l'équipe. On a alerté personne, genre les mecs à côté ne sont pas attendus qu'on s'est fighté, quoi. Bon, allez, bombe fufu. Regarde, tu vois le balourd là? Regarde ce que j'en fais moi du balourd. Balance comme une merde, ok? C'est comme ça. On va essayer de prendre un petit peu tous ces petits coffres là. Ah mais le coffre en fait il est dans la maison. Calme, et je ne l'ai même pas vu. Ok, bon on va profiter hein, qu'on est là. Et où est-il? Peut-être au-dessus. Nice. Ok, j'étais passé à côté, je l'avais même pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait une sorte de truc d'hélix encore, non? Bizarre. Ah non, c'est une fleur séchée, rien à voir. Ok. Hop, 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 qu'est-ce que c'est ça? C'est... Jack Talon à ressort, mémoire de Charles Dickens. Ok, ça serait bien de faire pas mal de leur mission. Elle rapporte pas beaucoup celle-là, enquête, hein. Elle rapporte pas beaucoup, vas-y, on va faire celle-là. Non, d'abord, on va aller prendre le point. Je pense que ça sera mieux. C'est pas mal le système, hein. C'est pas mal. Honnêtement, je pense que vous allez kiffer, mais ça va demander une petite maîtrise au début. Pas non plus ouf ouf, mais ça peut demander une petite maîtrise. Tu vois, par exemple, adieu, là, genre je marche plus, quoi. Alors là, j'imagine qu'après, on pourra avoir des améliorations x2, x3, il pourra monter plus haut, aller plus loin, etc. etc. Là, c'est vrai qu'on est encore au début du jeu, du coup, c'est un petit peu la galère. Mais vous voyez que c'est quand même... c'est agréable. C'est agréable, vous allez de toit en toit, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est toujours ça. C'est toujours ça le prix, honnêtement. Chapeau. Honnêtement, j'ai juste envie de dire chapeau. J'allais dire chapeau IE, n'importe quoi. Chapeau Ubi. Parce que, honnêtement, après Unity, je pense que les mecs, ils étaient morts. Et comme quoi, ils sont fat. Ils sont fat, ils arrivent quand même à revenir. Donc à savoir quand même que c'est pas Ubisoft Montréal qui est derrière ce Assassin's Creed, mais Ubisoft Québec. Donc à pas confondre. Et honnêtement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Je pense qu'il y a vraiment du travail très très lourd derrière, malgré que les mecs, ils ont fait ça en moins d'un an. Quoi, en un an, quoi. Juste choquant. Alors je sais pas comment se passe le développement, etc. Je sais pas si Québec était dessus depuis un bon moment ou quoi. Mais en tout cas... les mecs, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment beaucoup de taf. Et c'est énorme. Énorme. Ah, la page 2. Même au niveau des endroits, des musiques, des synchronisations. C'est plus la synchronisation juste pour synchroniser. Là, t'es vraiment sur un immeuble magnifique qui domine vraiment toute la vallée comme d'habitude. Hein, mais c'est... Écoutez-moi cette musique.
Comme quoi, je vous l'ai dit, hein, franchement, il y a du taf. Il y a du taf. Là, il y a plus de 500 points de... Je me rappelle, avant, dans une zone comme ça, il y en avait 6. Il y en avait un là. C'est vrai que les secteurs sont plus gros. Du coup, genre, un point, deux points, basta. Juste ce qu'il faut. Simple et efficace. Il n'y a pas besoin de faire 500 points pour rien. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment par secteur, hein, c'est par tranche. C'est fat. Honnêtement, c'est fat, j'aime bien. On est toujours sur des missions. Ah, level 3 et tout. Ah ouais. Donc là, on rétrograde. Donc c'était bien qu'il vaut mieux que je les fasse maintenant. Il vaut mieux que je les fasse maintenant. Alors, je me languis de faire cette quête du coup de Jack l'Éventreur. On m'a répondu en commentaire. Je ne savais même pas. Hein. Je croyais que la personne était... Tu vois, je veux dire mort de vieillesse ou quoi que ce soit. Mais qu'on ne l'avait jamais retrouvé. Donc il paraît que le mec... ils ont quand même réussi à trouver ce psychopathe, je ne savais pas, hein, en parlant de Jack l'Éventreur. Ouais, c'est parti. Chasse de poule. Ok. D'accord. Mais non, qu'est-ce que tu dis, frère? Oh, mais si l'on part, frère. Ah, la cible s'enfuit. Attendez, mais elle vient par là. Non? Elle vient par là, elle vient par là. Elle est sortie vers moi carrément, frère. Oh, le délire, gros. Mais jamais ça arrive, ce genre de choses. Mort de rire. Est-ce qu'il y a un truc pour placer les gens là-dedans ou pas, là? Non, il n'y a pas moyen de la mettre dans ce bordel. Ok, ça va. C'est à 250 mètres en plus, fait chier. Y'en a pas un où je peux mettre... Toi, on regarde devant le mec et toi, hein. Excuse-moi, toi, là. Bon cheval. Oui, bon cheval, bon. Oh putain. Elle a morflé. Elle a morflé. J'ai pas une charrette, normalement, à moi, là, qui m'est dédiée, là. Ah, c'était peut-être celle-là où j'ai volé. Ah, si, c'est ça. Oh putain. Le mec fait TB. Oh, on dirait. Elle s'est fait écraser quand même, c'était cool. Alors ça quand même. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Hein. Jamais j'ai vu ça. Carrément, la femme, elle est sortie carrément vers moi. Comme quoi, de se faire opérer des fois, ça... C'est sa sœur. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est un très très bon concept. Le fait de faire des quêtes annexes te donne des récompenses enfin. Enfin. Putain. Genre des récompenses et des vraies, des armes qui pourront te servir par la suite. Pas faire des quêtes qui ne servent strictement à rien. Une quête pour faire une quête, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous montez, on va dire, l'estime de cette personne. C'est-à-dire, à l'occurrence, le flic, là, pour le coup, Frédéric à Berlin. Et du coup, il nous débloquera à chaque fois, au fur et à mesure des levels, des trucs. Donc après, ça sera une tenue, une autre arme, etc. etc. Donc c'est quoi? Putain, ouais, ça va me forcer à faire le jeu à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça que je voulais, moi. Arrestation citoyenne. Ok. C'est ça que je voulais, un petit truc comme ça, tu vois, c'est tranquille, ça passe bien. J'aime beaucoup. Et j'ai débloqué en plus un revolver. Oh! Qu'est-ce
L'autre, je l'assassine discrètement, d'accord. Après, les autres, ils ont pas de J. Ses collègues aussi, il faut que tu les assassines discrètement. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser en plus. J'allais me dire, la bande, ça fait un petit moment où je suis pas allé. Je vais essayer de faire ça. Déjà, on va monter le level 5, ça peut être très très bien. Formation de Rooks One. Oh, par tirer une salve. On va essayer de faire ça petit à petit. On va pas. Ok, donc qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah, oh, nice, ça peut être stylé ça. Ça peut être stylé. Allez, on va faire le truc des enfants. J'aime bien le concept. Petit Brooks. Moi j'aurais dit petit pickpocket, mais. Ah mince, on peut plus. Bon, c'est pas grave. J'aimerais pas mal de petits trucs. En inventaire, du coup, en arme. On passe directement à la cuquerie à rubis. Fat, hein. Cuquerie à rubis. Pas mal du tout. Tu vois, du coup, j'ai même pas eu besoin de prendre celle-ci. Grâce à l'upgrade du personnage. Tiens, c'est fat. Gantelet d'assassin, il y en a de nouveau. Arme à feu. Du coup, ouais, on a débloqué celle-là. Pas mal. Et une nouvelle tenue pour la fille. Oh. Waouh. Celle-ci, c'est quoi? Augmente les dégâts de la canne épée de 10%. Et réduction de dégâts au corps subi de 10%. Ça peut être bien. Oh, elle est fat en plus. Putain, franchement, ils me font kiffer là. Ouais, il se passe quoi? Compétence, 1 point. Donc je pense que c'est mort, à part si on veut s'amuser à mettre ça. Allez. Ok. Donc honnêtement, pas mal. Attends, un équipement, qu'est-ce qu'ils me disent là? Ah, j'ai pas regardé. Ah merde, pardon, excusez-moi. En équipement. Non, d'accord. C'est quoi ça? La cuquerie d'assassin. Qui coûterait que... Ouh, elle serait fat, hein. Oh, elle est belle en plus, putain. Ça me coûterait tout mon argent. Waouh. Je la veux. Bon, c'est cool ce que je viens de faire, mais je suis content, putain. Est-ce que je l'équipais? Inventaire. Arme. Non, je l'ai même pas équipé. Mais elle est où? Ah, mais il faut être level 7. Oh, motherfuck. Ah. Ah non, la loose, putain. Bon, j'ai débloqué un truc qui est pas mal, mais... Oh, putain. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai 10 direct. Oh là là. Oh là là. Ok, laisse-moi tranquille. Oh oh. Est-ce que je suis full? Ça a l'air. Niveau suggéré 3, pas de soucis. Ils te disent les zones et tout ça, je l'avais même pas vu tout à l'heure. Je me languis de l'amélioration déjà de cet item qui je pense va me faire vraiment vraiment baver tout au long de l'histoire. Je pense qu'il y aura moyen qu'il soit encore plus fat que ça. Je l'espère du moins. Il n'y a pas de raison. Honnêtement, il n'y a pas de raison. Tout est upgradable. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc chasse aux templiers. Donc oh. Ok, on y va de ce pas.
J'ai l'impression qu'il y a un point rapide ici. Ça a l'air d'en être un. Ah, c'était encore à 130 mètres, d'accord. Je croyais que c'était ici, mais non, non, pas du tout. Et vous avez vu que selon les secteurs, bon, vous entendez ma sale voix, mais il se peut que vous entendez des musiques différentes aussi selon le secteur où vous êtes. Les musiques varient. C'est beau. Double assassinat. Impossible. Je peux partir mais j'ai envie de me battre. Tellement kiffant l'équipe. Ah. Ah. Lui n'aime pas hein. Wouah, je vais te faire un truc de ouf. Oh merde. Et par contre lui il est chaud à gérer lui. Ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris la technique de ce mec. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'aurais pu m'enfuir. Et le but est de s'amuser. Tu m'as pas vu. Moi, je t'ai niqué par contre. Pourquoi elle saute pas? Mais pourquoi tu sautes pas? Non mais c'est un truc de ouf, elle va pas faire un assassinat. J'ai pas compris. Ok, bon j'espère retrouver des couteaux ou ce genre de conneries. Ah mais non, je suis full. En vrai, ça va être comme dans tous les jeux. Le début est assez difficile à gérer. Mais une fois que vous allez prendre la main et que vous allez être au HL par rapport à la zone où vous êtes, ça va être du gâteau, quoi. Enfin, je pense, hein. Bon, le double frag, j'aurais aimé, hein. Ouais, moi, j'aurais pu passer. Ça aurait pu passer, mais... Ok, allez. Alors, beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que tu vas faire une intégrale sur ce AC? Intégrale, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de le faire... Ben à fond, où est-ce que je veux dire, je vais essayer de me mettre à fond dessus. Malgré que j'ai vraiment pas beaucoup de temps à chaque fois pour record. Donc du coup je fais des sessions de 2-3 heures de record par jour. Donc normalement il y a possibilité que j'arrive à bien bien upper le personnage. Après à 100% je peux pas vous dire. Faut d'abord retrouver la cible. Je suis désolé hein, je suis parti comme un fou. Ok. Qui est-ce? Je l'ai déjà vu. Qui est cet homme?